Salut à tous, ici Vosketal et bienvenue dans cette vidéo et surtout un excellent Noël. Je me suis dit, bon, on va pas louper quand même le 25 décembre. Je sais que ce jour-là, tout le monde est un petit peu à droite à gauche, les repas, la famille, les cadeaux, etc. Mais je me suis dit, pour ceux qui passent sur YouTube, ça serait quand même agréable d'avoir un petit message pour vous souhaiter un bon Noël. Donc ça, c'est fait, je pense que c'est de toute façon tout à fait normal. Alors, je vais quand même donner une petite précision pour ceux qui auraient déjà eu un petit smartphone ou une petite tablette ou quelque chose comme ça pour Noël. Vous vous dites peut-être, ah, j'aimerais bien jouer à Brawl Stars, est-ce que c'est possible? Alors, la question c'est que, à l'heure actuelle, la réponse plutôt c'est qu'à l'heure actuelle, le 25 décembre 2017, on ne peut pas encore jouer à Brawl Stars partout. Sur Android, vous ne pouvez pas, le jeu n'est pas encore sorti sur Android. Et si vous êtes sur iOS, c'est un petit peu compliqué, pas impossible du tout, un tout petit peu compliqué, puisqu'en fait le jeu n'est disponible que dans certains pays, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc. 5 ou 6 pays dans le monde. Donc, je vais vous mettre un lien dans la description, vous pouvez aller voir si vous avez absolument envie de télécharger le jeu, et puis vous garderez votre partie. Hein. Donc vous en faites pas, vous commencerez à jouer avant tout le monde, vous améliorerez vos brawlers, etc. Vous vous spécialiserez dans le jeu. Et une fois que le jeu sortira dans le monde entier, bah en fait ça continuera pour vous tout à fait normalement. Donc le lien est dans la description si vous avez envie de le télécharger. Ou sinon la troisième solution, eh bien c'est de se dire, enfin la deuxième plutôt, c'est de se dire, bah je vais être patient, je vais attendre encore quelques jours, quelques semaines, de telle sorte à ce que le jeu sorte de manière officielle, et puis j'attendrai, je prends mon mal en patience, je le télécharge. Voilà, donc ça c'était la petite précision pour les gens qui verraient cette vidéo et qui auraient envie de jouer à Brawl Stars le jour de Noël. En tout cas, sachez que moi je commence quand même à bien connaître les jeux de Super. Je suis sûr à 99,9% 99,999 que le jeu va sortir. Donc franchement c'est juste une petite question encore de patience. Je sais qu'il y en a qui patientent depuis des mois et des mois. Mais en tout cas, ça vaut le coup encore de patienter encore un tout petit peu, parce que je peux vous dire que le jeu est de plus en plus joli. Alors qu'est-ce qu'on va se faire pour aujourd'hui, pour ce 25 décembre? Eh bien, quelques petits combats, un petit chill, comme on appelle ça. On va s'amuser un petit peu. D'ailleurs, il y a un nouvel événement. Alors déjà, il y a une room. Est-ce que la room... Ah, la room est pleine. Bon, c'est dommage, j'avais une room dans ma team. Il y a un nouvel événement Bounty, le Snake Prairie, qui est un des événements les plus intéressants à faire. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tout de suite foncer sur Snake Prairie. Alors Snake Prairie est intéressant parce que toute la carte est recouverte de comment dire, de bouche, c'est-à-dire de buissons. Donc tout le monde se trouve un petit peu caché. Donc on a tendance à se dire, et attention à ça, que oh bah ça va être comme ça tout le temps. Faux, parce qu'au bout d'un moment, vos troupes ils ont des pouvoirs spéciaux, et les pouvoirs spéciaux, les habiletés spéciales font beaucoup de dégâts, notamment des bombes, etc. Donc on peut se retrouver rapidement avec une carte où il y a eh bien peu ou prou de buissons. Donc du coup on est bien content d'avoir, notamment, vous voyez ce que j'utilise actuellement, notamment une petite Piper pour pouvoir tirer de loin quand les espaces commencent à se créer. Voilà, donc on va utiliser Piper pour cette attaque là, on verra comment on fait pour la suite. En tout cas, bon, dans Snake Prairie, il y a deux solutions, soit, oh la vache, soit vous restez assez groupés, donc vous restez en gros les trois, les trois ensemble. Alors, pas obligé de coller, mais grosso modo les trois ensemble, ça c'est la première solution. Ou la deuxième solution, et eh bien c'est en gros qu'il y ait un brawler un peu tank, alors du style Primo, Bull, qui avance, qui fasse un peu le boulot en premier. Ensuite un brawler un petit peu en... on va dire en arrière du style, bah ça peut être Pam, hein, ça peut être Ricochet, ça peut être comment s'appelle-t-elle, ça peut être Jessie, voilà, ça peut être des brawlers, on va dire, de tir assez moyen, assez moyenne portée, donc qu'ils soient comme ça en recul. Il peut y avoir une autre solution aussi, donc alors, le troisième point, ça serait un sniper du style Piper, Colt, etc. ou Brock, qui est donc en troisième rang par derrière et qui tape sur tout ce qui bouge. Donc ça c'est la première solution, la deuxième solution, première tour groupée, la deuxième c'est ça. La troisième solution c'est qu'il peut y avoir deux tanks, donc un Primo et un Bull par exemple, un qui part à droite, un qui part à gauche, et puis un sniper derrière qui s'occupe un petit peu de tirer sur tout ce qui bouge. Donc ça c'est aussi une autre solution. Alors il y a une quatrième, une cinquième, une sixième, je ne vais pas toutes vous les faire non plus, on les fera d'ailleurs en vidéo. Vous voyez qu'ici,
finalement, on part un petit peu tous dans le sens où on veut, mais, dès qu'il y a un danger, on sait se regrouper. C'est ça aussi, le plus important, c'est de, oh la vache, c'est de savoir, enfin, c'est de savoir et surtout d'être très rapide pour voir le danger, s'il y a un danger qui arrive sur un de vos potes, sur un des brawlers, et de pouvoir venir l'aider très rapidement. Ça, c'est aussi indispensable, c'est d'être en backup très rapide sur un des brawlers, un de vos brawlers qui serait en difficulté. Donc ça a été le cas ici, vous voyez, à un moment il y a un primo qui m'a attaqué, les deux sont venus, à un moment Pam a été attaqué, on est venu avec le fameux Zesty ou Brock, on est venu l'aider. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est pas parce que vous partez dans votre sens à tous que vous êtes obligé de vous la jouer un petit peu solo, genre allez, je vais essayer d'attaquer de mon coin, avoir des points, etc. Ça c'est pas tant le plus important. Le plus important, c'est voilà, d'avoir un œil partout, de savoir revenir quand il faut, rester groupé si vous avez envie, pas trop groupé non plus parce que vous pouvez vous prendre des ballasses genre de Piper ou de Colt, etc. Faites gaffe à pas trop être groupé, à pas trop vous coller, mais vous pouvez être groupé avec, je sais pas moi, 5 ou 6 cases de différence, ce qui est déjà pas mal. Ça fait quand même un bon espace entre tous. Voilà, donc essayez quand même de faire attention à la manière dont vous êtes groupé. Alors, il y a une room qui est prête. Bah écoutez, on va peut-être le suivre. Allez, deuxième combat que je vais faire, je le fais, bah c'est très drôle parce qu'en fait il y avait une room, ce que je vous expliquais juste avant, une room qui était pleine de mon clan, donc c'est une room de 3, on est sur du snake, donc c'est normal, on est sur du bounty, et en fait il y a une place qui s'est libérée, donc me voilà avec deux personnes de ma team, et j'en profiterai pour vous en dire un tout petit mot juste après. Donc on a un Beau et un Daryl, Puzzle qui est en Daryl et White Prince qui est en Beau, c'est le contraire. C'est le contraire, Puzzle qui est en Beau et White Prince qui est en Daryl. Alors moi je vais rester un petit peu. Alors Daryl peut faire exploser, donc ça c'est intéressant. Non, pas Daryl, pardon. Beau peut faire exploser avec, vous savez, ces petites bombes qui posent, ces petites mines. Donc ça peut faire exploser un certain endroit. Donc là il va faire exploser tout à droite ici. Donc ça peut être pas mal. Mais c'est pas Daryl du tout, c'est Primo. Attends, mais je suis aveugle ou quoi? Je te dis Daryl, mais je suis sûr de moi en plus. Ouais, c'est Daryl. Mais pas du tout, c'est Primo, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est parce qu'il avait Daryl avant et il a changé juste avant le combat. Bon, donc c'est pas mal. Bon, c'est un match-up assez intéressant finalement, hein. Il n'y a pas deux tanks, mais il y a un shooter, ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce que je vous disais un petit peu dans la premier combat, dans le premier, dans le deuxième cas de figure, où je vous disais qu'on peut avoir un tank derrière une personne qui de mid-range en gros, donc par exemple Beau parfaitement, et ensuite un Piper qui est derrière pour vraiment shooter de loin et donc terminer les adversaires. C'est exactement ce que l'on a ici, donc on a intérêt à gagner parce que sinon ma théorie tombe à l'eau complètement, mais je pense franchement que ça va fonctionner et que ça risque d'être pas mal du tout. Vous voyez, 11-0, et là. Là, on est dans un cas de figure super, c'est que, vous voyez, là, les... Oh, mais là, j'aurais pas dû faire ça. Là, les ennemis, du coup, sont un peu... voilà, ils sont obligés, en fait, de se dévoiler pour passer de notre côté. Donc, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que moi, il faut que j'ai l'œil un petit peu partout, l'œil de lynx, et ensuite, je tire sur les ennemis. Donc, c'est ça qui est... Oh, bah, attends, en plus, il balance ça. Hop. Ah, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Oh là là, 17-0. Là, c'est une régalade, là. J'ai l'impression qu'en fait, ils jouent pas tous en face, hein. Il y aurait pas un mec qui serait de leur côté. J'ai envie d'aller voir. Hop là, je reviens. Alors, il y a un Beau qui est en face, ça c'est sûr. Il y a un Barley qui est à côté. Donc, ils sont au moins deux à jouer. Mais j'ai l'impression que j'en vois pas de troisième. Je me trompe peut-être. Boum, 19-0. Est-ce qu'on va sur un 0 en face? Un 21-0? Formidable. Allez, on tourne la petite danse de la victoire. Boum. C'est fort. Ouais, je pense qu'ils étaient deux en face. Hein. Là, on va quand même à leur décharge. Ils étaient deux en face. Donc c'est normal aussi qu'on tape un 21-0 quand ils sont deux en face. 3 contre 2 sur Snake. C'est un petit peu compliqué. Allez, on va s'en refaire un. Enfin, s'ils veulent bien, en tout cas. Donc, c'est une... Oh, je vous dirai après. C'est ma team Barbaro. C'est un petit projet e-sport que j'avais eu. Easy win. Ouais, bah, je pense que c'est normal. Pour te dire, c'est MK sur le compte de Puzzle. D'accord. Ok, pas de problème. Alors, MK, c'est une autre personne du clan. Donc, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'espèce de vieux changement de compte à droite, à gauche. MK, qui est une autre personne du clan, qui, voilà, qui est un de nos top players, qui nous apprend à jouer, qui nous apprend nos stratégies. Donc, voilà. Alors, on va voir ici. Ici, hop, ah, ouais, on a le même, ok, j'étais en train de vérifier si on avait aussi Primo, donc ça tombe très très bien, attends, 21-0, c'était quand même pas mal, hein.
Ouais, donc ouais, là on est dans toute la chose intéressante, c'est-à-dire avoir devant le primo qui est quasiment invincible, qui a beaucoup de vie, avoir derrière le beau qui envoie des sacrées salves, et puis derrière la Piper pour terminer, pour terminer si elle y arrive, en gros c'est moi. mais voilà, grosso modo, généralement ça fonctionne bien. Donc c'est vraiment un super trio, d'une part, parce que c'est deux personnes que je connais très bien, des personnes de mon équipe, mais c'est surtout un super trio en termes de... Ouais, là, je me suis isolé, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait là. Ouais. En plus, là, Tarak a sa capacité spéciale au max. C'est normal, elle a sa capacité spéciale en haut. Alors attention, parce que là, vous voyez, on est un petit peu en... Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on subit comme ça, il faut faire en sorte que en face... Ah, je l'ai pas eu. Il m'a eu, zut. Que en face, en fait, faut essayer de chasser les ennemis de chez nous. Quand on subit, ça c'est le truc, c'est surtout pas subir, subir, subir. Il faut sortir le plus vite possible. Et qui dit sortir, bah dit en fait faire de la place en gros. Et vous voyez là, ils sont sortis, du coup, on respire, on respire, on est au milieu de la carte, du coup on reprend une certaine mainmise sur la carte. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Vous voyez, moi voilà, là j'ai mon coin, là je bouge pas de mon coin. C'est une technique. Alors c'est pas du tout du camp, hein. Là je campe pas du tout. En gros, je me mets dans une position. Je suis sniper. Donc mon rôle en tant que sniper, moi, c'est pas d'aller au grain, au four et au moulin. Mon rôle à moi, c'est. Hop là. Il a failli me foncer dessus, lui. Mon rôle à moi, c'est justement de rester derrière et d'envoyer des petites balles là où il faut, histoire de terminer l'ennemi. Et là, on est par là, on n'est pas forcément très très bien. Hein. Allez, allez, Prince. Allez, Prince. Faut terminer cette Tara. C'est bon, c'est fait. Voilà. On a terminé derrière notre ami Colt. Alors, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur que là, il nous fasse un... Hop là, attention. On va lui parler un porto. C'est bon, je l'ai eu. 7 secondes, on va terminer sur un 25-15, ça va être formidable. Ah, je suis mort, 25-18, 28-18. Formidable, formidable, vous voyez. 28-18, impeccable, deuxième victoire de suite, cette fois-ci c'était bien 3 en face. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a les, vous savez, on a les trophées en face aussi, c'est ça qui est très intéressant. Donc on voit 180 pour Tara, 190 et 235 pour Mer. Donc Mer, on peut dire que ça commence à être un joueur assez intéressant de Daryl. Encore un Daryl qui n'est pas maxé, qui est à 21. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Ouais, moi j'ai 168 maxé, Waypoint à 236 sur son primo. Bref, voilà, écoutez, deuxième victoire de suite. Et puis pour moi, troisième victoire. Donc ce qui est bien, c'est que on gagne des trophées. On gagne des trophées quand on joue avec l'équipe. Donc c'est ça qui est... Allez, je vais quitter la room. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire plaisir avec vos équipes. Alors, vos potes de votre équipe. Dernier petit point, c'est quelque chose que j'avais pas encore abordé dans une vidéo. Ma team, la team Barbaros. Alors je vais vous en dire juste deux mots. Puisque beaucoup de personnes m'ont parlé en fait de cette équipe. M'ont dit, ouais, Vosk, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en gros, c'est une équipe que j'ai créée il y a quelques jours de ça. Qu'on a créée avec mon pote PuzzleK, qui est un autre youtubeur, donc Puzzle avec un K juste derrière, Puzzle K. Donc on a décidé de créer une équipe, une structure on va dire, sur Brawl Stars. Donc c'est pas une bande en tant que telle. Alors c'est une bande parce qu'il faut bien se réunir quelque part, mais c'est pas une bande, c'est à dire que notre rôle à nous, ça va pas être d'avoir 100 personnes et d'être la première bande de France ou du monde. Non, peu importe, 100 personnes dans une bande, c'est inconcevable. Notre rôle à nous, ça va être, notre objectif, ça va être d'être un nombre réduit vraiment de joueurs, mais qui se connaissent très bien, et de faire de la compète Brawl Stars, une fois évidemment que Brawl Stars soit sorti, une fois que les premiers projets e-sport seront sortis, premiers tournois, les petites compétitions, les petits championnats, des trucs à droite, à gauche, etc. Ça, c'est notre rôle avec les Barbaros. Donc, quand vous me demandez, beaucoup de personnes m'ont demandé comment je rejoins les Barbaros, ce n'est pas impossible, il faut nous écrire un petit mail ou mettez un petit DM sur notre Twitter, le lien de Twitter est dans la description. Vous dites voilà, j'aimerais bien, et puis de là il y a tout un processus évidemment de recrutement. Ça se passe pas comme ça, c'est pas évidemment le moulin, vous vous en doutez bien, sinon ça va vite être le bazar. Voilà, donc si vous avez envie de suivre notre actualité, il y a un Twitter, c'est Team Barbaros GG, le tout accroché, @ évidemment, Team Barbaros GG, vous cherchez ça sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre pour avoir nos actualités. Si vous avez aussi une bande ou un clan e-sport de Brawl Stars, si vous avez envie de faire un combat amical contre nous, n'hésitez pas non plus, vous pouvez nous contacter toujours en DM ou toujours par mail, ou vous me contactez moi directement, et puis voilà, on essaiera de mettre ça aussi en place. Donc c'est le tout début, pour l'instant je vais pas plus en profondeur dans la chose, puisque ça reste un petit projet, pour l'instant voilà, on tâtonne un petit peu, Brawl Stars n'est pas encore sorti d'ailleurs, hein. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus se lancer dans d'énormes trucs. Donc
Donc on tâtonne un petit peu pour l'instant, mais c'est un projet qui va se mettre en place au fur et à mesure. Donc si vous voyez parler des Barbaros, c'est ma team, la team de Vosk, sur Brawl Stars. Voilà, donc encore un joyeux Noël à tout le monde. J'espère que cette petite vidéo assez courte, assez marrante vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Brawl Stars. Quand est-ce que ça va sortir, Brawl Stars? Est-ce que vous avez envie de jouer? Si vous, voilà, vous êtes à Noël, vous avez eu votre nouveau petit cadeau, etc., vos petites cartes, est-ce que je vais m'acheter des gemmes, des trucs, des machins? Gardez ça pour Brawl Stars. Et puis dites-moi ce que vous en pensez aussi. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Et puis donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!